Bon, c'est un peu long, mais sachez que j'ai fait ça déjà 256 fois. Ça m'a pris une plombe, hein, oui. Mais voilà. Vachement passionnant, disons tout ça. Mais voilà quoi, je vous montre un petit peu ce que je fais hors caméra. Voilà, c'est pour ça que là on est à plusieurs heures de tournage, mais sachez que j'en suis en triple de jeu facilement quoi. Ouais, facile, ouais. D'avoir sauté celui-là, non, non, bon. Ça me saoule le logo qui se met devant là. Easy. Et il ne restera plus qu'à raccorder ça à plier d'énergie stick. Ça va nous consommer masse d'un seul coup, mais au moins ça ne va nous consommer 64 fois 64 de d'underpearl d'un seul coup. Mais au moins on sera peinard quoi. On aura ce qu'il faut. Et dès qu'on aura 64 export bus de plus, on pourra encore réduire la consommation en lave. Mais c'est vrai que comment que ça m'est complètement sorti de la tête Industrial Craft que ça utilise aussi de la lave, parce que c'est tellement mineur quoi comme consommation que ça m'est complètement sorti de la tête. Donc mais évidemment j'en ai besoin pour mes ressources, donc on ne pourra jamais se débarrasser complètement de la lave parce que c'est soit ça, soit le charbon hein, pour Industrial Craft. On n'a pas Grec Tech. Hein. Je suppose que vous vous êtes posé la question pourquoi je me fais pas un générateur, un réacteur nucléaire pour produire de l'énergie. Simplement parce qu'on n'a pas Grec Tech. Hein. Donc c'est un peu l'inconvénient d'Irewolf. Je pensais qu'il y aurait hein, dans d'Irewolf quand j'ai choisi le mode, je me suis dit ouais, il y a certainement Grec Tech. En fait non, il n'y est pas. Donc pas de. Pas de réacteur nucléaire. Allez, dernière ligne. Allez, le dernier, le dernier, le dernier. Ouais. Allez, on va relier ça à Applied Energy Stick. Comment on va faire?
On va faire comme ça. Ouais, j'en ai pas assez. J'en aurais clairement pas assez de toute façon de. Mais pour faire simple, je pense qu'on va c'est. Compliqué. C'est qu'en fait, on va passer à la place de ce tuyau-là, là. Puis ce tuyau-là, on va le raccorder par au-dessus. Bon, pour le moment, on fait ça à l'arrache. On va aller les raccorder comme ça. Squat. Bon. M câble. Eh oui. C'est la vie. Bon, ben oui, ben je suis de nouveau à court de Sertus Quartz. Donc, on va arrêter la production d'émeraude. Et puis, on va refaire du trade. Hein, parce que de toute façon, sinon, ce serait... Faudrait partir à la recherche de ça, mais tiens, ça fait bizarre les ruches. Faudrait partir à la recherche dans les sous-sols de Sertus Quartz, mais... Et voilà l'horreur. Donc ça se trouve donc entre la couche 60 et 40, ça se trouve dans ces niveaux-là, le Sertus Quartz. Bon bah ça, s'il y en a pour une plombe encore à se vider, donc bon, on a deux ME câbles de plus. Est-ce que je peux économiser quelque part du ME câble? Je réfléchis, est-ce qu'il n'y a pas un système que je peux... sert à rien. Ah oui, ici il y avait un wireless. Ah ouais non, ici j'en ai besoin. Attendez, enfin j'en ai besoin. Est-ce que justement je peux pas réduire un petit peu en utilisant juste un raccourci ici par exemple? Voilà, puis là ça me permet d'en récupérer 3, ouais c'est ça. Tiens, je récupère même un export de basilon. Hop. Et hop. Là, toi, tu sers à rien. Ok, après ça. Donc il y a le wireless, il y a le. Bon, ça a pas l'intérêt de le. Ouais, ça n'a pas plus d'intérêt non plus, enfin plus réellement d'intérêt, hop. Ça va nous en faire récupérer pas mal ça. Ça a plus d'intérêt depuis un bon bout de temps en fait. Mais bon. Mais j'avais mis ça là à l'époque et puis ça s'était resté. Tiens, en plus 4 fuzzy, hop, de plus.
Parce que ça, de toute façon, j'en produis plus, ça me sert plus, ça me sert à rien. Ça va voler, ça. Les slimy, j'en ai des pouces. Ça peut être pratique quand j'ai besoin de slime ball. Sinon, non, quoi. Hop. Non, c'est bon. Alors, monsieur, est-ce que vous proposez du Certus Quartz? Bon, bah, je reviens tout à l'heure. Je vais juste les laisser un peu s'organiser. Et dès qu'il y en a un qui me propose du Certus Quartz, c'est parti. Alors, ça m'en fait combien de... Ouais, alors... Tiens, en plus, il y a un import là. Il a rien à foutre là. Ça me fait 5 imports de plus. Bon. Enfin, 5 exports, quoi. Ah, une marque qui sont préconfigurés alors que... Non, hein, ça n'existe pas préconfiguré en fait. Je sais pas pourquoi il met ça alors que... Alors que dès que je vais les poser, ils vont être initialisés, quoi. Mais bon. Oh, me dis pas que j'ai interposé les énergies conduites dont j'avais besoin. Dis-moi que je les ai mis dans la pliée d'énergie stick ici. Ah, c'est pas vrai, ils sont restés à la base. Bon bah c'est tout, hein. Redstone énergie conduite. Tout ça, hop, retour à la base. L'avantage c'est quand je chauve souris, je... Oula, oui, bien. Mais carrément vidé un Resonant Energy Cell. Non mais tout va bien mec, tout va bien. Allez, hop. Ah, il galère un peu là. Bon bah non, mais c'est le temps que. C'est juste le temps que ça revienne quoi. Ah, il galère quand même pas mal lui. Bon, bah voilà, ça vous donne une idée de ma consommation énergétique, mais c'est les 3 QRI qui pompent à fond de blinde. Et pourtant j'ai mis des ardennettes de conduite dessus. Mais je suis sûr que les ardennettes de conduite sont inutiles, qu'il faudrait que je repasse encore au niveau en dessous. Ce serait largement suffisant. C'est juste histoire que je laisse... On va couper un petit peu. On va couper un petit peu toute l'énergie. Juste le temps que lui, il se recharge. Parce que je j'aime pas avoir un Resonant Energy Cell être vide comme ça. Ça se remplit relativement vite, hein, une fois qu'on a toute la production, mais bon. Voilà, donc eux ils sont partis pour ouais pour aller un peu moins de 3 heures quoi. Voilà, on est déjà à 500 000, 5 millions, on est déjà à 5 millions en fait. Bon, on va aller voir pour le Certus Quartz le temps que ça se remplisse. Dès que je vois que l'énergie commence à manquer du côté base. C'est qu'on est dans la merde. Mais bon, c'est... J'ai qu'à revenir ici et à relancer l'énergie en fait. Faut jouer un petit peu au départ, c'est juste pour amorcer le bordel.
Une fois que tout le bordel est amorcé, ça tourne nickel quoi. J'ai pas vu la chute de... Oh, salut les mecs! Vache, vous êtes sortis. Alors. Faire du squat. Et bien sûr, j'ai pas d'émeraude. Allez, donc je disais Sertus Quartz. Envoie-moi la dose. Envoie-moi aussi celle-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ce sont ces deux-là. Envoie-moi celle-là aussi. Je regarde un peu au niveau de... Génial en fait. Allez mec, fan de Docteur Who. Bon. Attendez, on fout le bordel? Allez, on fout le bordel. Vache, la quantité de... Oh, la quantité de villageois. Bon, c'est bon, j'ai repeuplé le monde, les gars. Je viens de repeupler le monde entier là. Hop, ça on va le couper quand même. Bon. Ah, là il y a quelque chose d'intéressant. Ah non, c'est celui que j'avais déjà. Bon, déjà là. Bon, ben les gars, c'était sympa d'avoir fait connaissance avec vous, mais... Vous savez ce que c'est, hein? Au départ c'est sympa, on sympathise et tout, mais au bout d'un moment vous êtes chez moi et vous m'emmerdez. Donc guerre civile! Oh le bordel! Ah, une oracle de...
Oh, ce bordel! Hey, tire dessus. Bon, je pense que c'est... Ah non. Encore une oracle tourelle. Comme quoi, mine de rien, le... Eh oh! Tu tirais sur quoi là? Ok, il y en a qui se sont barrés là où il faut pas. Hein. Bon. You're still here. Bon, oui, je m'éclate un peu avec mes tourelles, ça va. Oh. Si on peut plus rigoler un peu. Bon, regardez, il y en a qui s'amusent plus mieux que moi, hein. Les Américains, ils ont des drones. Ben, moi, j'ai des tourelles. Bon, voilà. Aïe, ça pique. Regardez-le, là. L'autre, il en profite que je vire les tourelles pour bouger, l'autre. Eh, hey, font mal quand même à les tourelles là. Bon. Ah, j'ai plus d'énergie, tiens. Je viens de voir ça, j'ai zéro énergie dans mon... Dans mon stuff. Bon. On en est où dans tout ça? Basic Export Bus, ok, d'accord. Ben, ouais, bon, il en reste 88. Ah, c'est du Nether Quartz qui manque. Eh ben ça, c'est pas un souci. Pourquoi je suis là, moi? Qu'est-ce que je voulais? Ouais, énergie. Énergie, sauf que l'énergie, ça va vraiment finir par manquer au bout d'un moment. On en est où à ce niveau-là? Ouais, lui il commence à se vider, c'est que de l'autre côté ça doit être en train de... T'en tiens le roussi. Bon, lui là. Il est entièrement chargé, c'est bon. Allez, hop. Ouais, c'est bon. Allez, hop. Voilà, au moins on a 64 de plus. Lui, il a dû réussir à se re-remplir un petit peu de... Ou pas en fait. Non, ou pas, carrément pas en fait.
Je pensais qu'il se serait rempli un petit peu, mais non en fait. Donc on gardera qu'un seul cluster en fait, hein, qui sera plein de lave. Ce sera pour les, pour tout ce qui est Industrial Craft. Ce sera largement suffisant. Et puis, puis sinon après, bon bah les lava générateurs, c'est bon quoi. Allez, on va bien voir ce que ça donne. Mais normalement je produis assez d'énergie là, ça y est, hein, je... Alors, rien que, même si je tombais à court de lave, normalement les under générateurs sont suffisants pour prendre le relais. Hein. Ils sont assez nombreux, normalement. Ouais. Faut vraiment que j'envisage de déménager les... mes différents... Ah ouais mec, c'est vraiment la crise, hein. Ouais, je consomme vraiment plus que je produis là en ce moment. Ah, ça va finir par remonter, hein, mais le système là-haut, là, je le, il est à fond, hein, il est. Ah, c'est ça qui pompe à fond, parce que lui, il a consommé à mort depuis. D'accord, ok. Non, bah, je me disais aussi, c'est bizarre. Mais ouais, ok, ouais, c'est parce qu'il, parce que lui, il s'est vidé. Bon. Une fois que tout sera rempli, c'est bon quoi, ça rentre en équilibre. Je voulais mon, oui, ben attendre que ma power suite soit pleine, mais attendant. Oh, obligé de se nourrir à l'ancienne. Oh, le pauvre. Oh, la pauvreté. L'autre, il est obligé de se servir de ses mains pour se nourrir. Et eh ben voilà. Voilà, ah on se sent tout de suite mieux, je sais pas, avec la power suite on se sent tout de suite mieux. Ah non, les restes d'énergie conduite. J'en avais encore besoin. Ah, je l'ai raccordé au moins ou pas les... J'ai un doute si j'ai raccordé les restes ou pas. Ah oui, puis c'est le quartz, ouais, c'est le nether quartz qui manque. Hop, attends, je veux juste voir si les raccords... Ouais, j'ai raccordé, hein. Oui, j'ai tout bien raccordé, c'est bon. Et puis je voulais jeter un oeil à la claque que c'était pour les Enderpearls, même si j'ai produit un petit peu d'ici là. J'étais à 25-26K à peu près. Oh, je suis toujours à 27, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, hop, donc, SDX. On va prendre ça, on va prendre un peu de redstone. Oh mais... Tire-toi le magnète. Tiens, hop, un câble, tiens, tant qu'on y est. Donc ouais, donc c'est du quartz, donc c'est ça. Donc on va aller chercher du quartz. Un petit peu. Bon, pour le moment c'est juste un petit peu de production. C'est vrai qu'on fait pas grand-chose d'intéressant là. Je suis désolé. H10. Toujours nuit dans ce monde, salut sinon. Bon, attendez, alors justement, attendez, je vais juste vérifier un truc. Donc ici, je suis bien en 0-0, enfin direction 0-0 pour retrouver le... là-bas. Parce que dans mon H2, j'étais dans H2 pour aller récupérer du diamant, parce que j'ai des boules comme ça de diamant dans H2. Mais comment dire? Mais
Mais le bouquin n'est pas en 0-0. Il est ailleurs. Oula, ça a bugué. Ok. Attendez, juste, je relance le record pour resynchroniser ma voix parce que j'ai vu que ça désynchronisait. Voilà. Oh, MDJ, qu'est-ce qui se passe avec ton super PC? Hop. Voilà, bon. Voilà, fun la plateforme de Pierre. Bon. On va mettre un peu plus. Ça a recoupé, je pense que mon disque dur est plein. Je vérifie. C'est ça. Donc eh ben écoutez, ben je vous dis à plus tard. J'avance sur caméra et puis ben je vous tiens au courant de l'avancée. Mais je pense que de toute façon les lavages générateurs, on va tous les remplacer en under générateurs. Beaucoup plus économique, beaucoup plus écologique, tout ça. Voilà. Donc on a retrouvé une stabilité énergétique et puis ben ça tourne nickel. Voilà, je vous dis ben, à plus tard. Mesdames, messieurs, déjà bonjour à tous parce que moi je commence une nouvelle séance et je vous annonce que l'heure est grave car nous allons à présent assister à quelque chose. Nous allons assister à la fin d'une ère, mesdames et messieurs. À la fin d'une ère, nous allons quitter cette base. Et étant un homme... Ah zut, j'ai oublié de sauver les animaux. On va peut-être sauver les animaux juste avant, mais je tenais à vous dire que nous allons donc quitter cette base et donc la démolir. Étant un homme du présent, comme je le dis souvent, je suis un homme du présent, je ne suis pas tourné vers le passé, mais plutôt vers le futur. Donc, nous allons simplement éradiquer cette base. Juste. Non, il l'a pas pris. Sort d'être bon. Sort d'être bon. Donc, nous allons la détruire. Donc, j'ai mis de la SDX un petit peu partout. Je sais pas si ce sera suffisant. Je vais juste aller chercher quelques safarinettes pour sauver nos animaux. Ils vont rester dans leur safarinette un bon bout de temps à mon avis, parce que je sais pas trop comment on va pouvoir les situer dans l'end. Mais voilà. Donc, eh ben, nous allons détruire ça dans quelques instants. Juste petit tour. Donc, j'ai récupéré toute la machinerie envoyée dans l'end. Excusez-moi. Et hop. Je me suis créé des portails. Alors les portails se font avec des cristaux qu'on trouve dans les mondes générés avec Mistcraft. Attendez, excusez-moi un instant. Voilà, donc avec des cristaux, il y a un petit craft à faire pour le boucle reciple. C'est simplement des cristaux comme ça mis en forme de four en fait dans une crafting table. Donc voilà, on a toujours nos trucs. Donc les safarinettes, hop. Oui, donc évidemment, ouais non, c'est pas là, hop. Donc petit, voilà, hein, j'ai déplacé notamment ma zone de mon
Voilà ma zone avec mes autospawners, non c'est pas ça que je veux, c'est ça. Et des safari nets, il m'en faut 3. Voilà, donc ici ça a un petit peu évolué. On en fera le tour après. Promis. Pour que je vous montre un petit peu ce qui s'est passé. Je sais toujours pas quoi faire sur cet écran là-haut. Hein. Je n'y ai pas eu le temps de m'y pencher. Je me suis vraiment passé. Bon. Je me suis vraiment penché sur la migration de la base. Je crois même que vous n'avez pas vu, mais j'ai fini entièrement ma transition énergétique. Enfin, presque entièrement. Je n'utilise plus de lavage générateur. Je n'en utilise plus. Est-ce qu'ici, j'avais tout vidé? Ouais, donc ça va voler avec. Hop, et donc... On va sauver nos animaux rapidement. Tuque, t'es où? Ouais, Tuque, c'est là-bas. Hop. Couillou le caribou. Notre petit Tuque. Et Bambi. Voilà. Hop, j'aurais dû reprendre davantage de SDX, mais bon. Pour faire péter cette cage. Très bien. Eh bien, mesdames et messieurs, le moment est venu. Chère base, adieu. Oula. Bon. Ouais, alors F3 plus A peut-être. Ouais, c'est violent, hein. Il a du mal à charger. Hop. Et il en reste un morceau, hein. Il en reste un morceau, dis donc. Vas-y, pète. Ouais, non, pas près de mes items. Merde, c'est vrai. Il a dû démolir certains de mes items, mais bon. J'y ai pas pensé, j'ai dû perdre des choses. Des tortelles, certainement. Ouais, j'ai perdu mes tortelles. Bon, bah ça fait rien. Voilà. Bon, il restait juste 2-3 petits trucs, hein. J'avais viré l'essentiel de la machinerie de toute façon. Hop, hop. Quoique mes tourtelettes ont l'air d'être là, non? Non, j'ai 2 computers. Voilà. Ben, ouais. Évidemment, il reste les Resonant Thunder qui sont pleines, mais enfin. Pleine ou à moitié pleine, mais ah ouais c'est vrai, il y a des choses qui ont dû partir en dessous. Bon, ça de toute façon je peux pas les récupérer avec la wrench, obligé de les démolir. Ben on va les récupérer juste les ressources au cas où. Parce que ce n'est pas... Voilà, ce que je préfère. Je laisse les ruines, je peux poser le SDX pour ce qui reste. Je laisse les ruines, ça... En mémoire. Si on peut dire. Voilà. Bon, bah, ceci étant fait. Voilà, on va juste aller poser.
On est où là? 56 sur 63, ouais. Il y a tout ce penchant-là quand même qui a tenu le choc. Tout ça, c'est encore une tourelle qui est là, tranquille. Elle fait son travail, ça on va le récupérer. Voilà, bon, il reste un petit peu de cobblestone, des trucs comme ça. On va laisser ça quand même en mémoire, mais voilà, on a démoli la base qui ne me servait plus parce que je l'avais entièrement vidée. Et direction le nouveau monde, direction l'End. Il reste également ça, mais ça, j'ai encore des trucs dedans qui me sont utiles. Donc, est-ce que d'ailleurs j'ai récupéré... Ouais, j'ai récupéré la toolforge. Ok, allez, hop. Ça, je vais le garder sur moi. Ok. Bon, bah ça, hop. Merci, merci, merci. Aïe, aïe, aïe. Là j'ai fait le con. Là j'ai fait le con. Parce que ça je comptais le ramener plus tard en fait. Hop. Bon, je retirerai après. Ça faut absolument que je la récupère. Non, 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 vous êtes les derniers survivants, vous venez avec moi. J'avais fait le con, j'avais détruit déjà le truc de... comment? Il me reste plus que ces livres-là. Parce que j'avais fait le con dans ma base, j'avais démoli la table, comment? Où on stocke les livres. Et quand j'ai cassé la table, et ben ces livres-là se sont barrés. Et les tourelles bah, les ont simplement détruits. Donc pour le moment, ces trucs-là vont rester là. Voilà le notebook, j'ai réussi à le sauver. Voilà la writing desk. Quand je l'ai démoli, bah, tous les livres sont tombés au sol et se sont fait démolir par les tourelles. Très con de ma part, donc il me reste plus que les âges 2, 6 et 10. 2 et 10 étant les plus importants. 6, je m'en fous un petit peu. 2 parce qu'il y a... Non. 2 parce qu'il y a du diamant, 10 parce que c'est là où il y a de la... Je sais plus. D'ailleurs, il doit me manquer un en fait. Me semble que j'avais sauvé 4 livres. Non. Bon, bah encore une idiotie de ma part. Mistcraft, franchement, c'est bon quoi. J'ai quelques mondes qui m'intéressent, mais sinon, voilà. Allez, direction. L'End. Qui a quand même meilleure gueule que ma base. Que mon ancienne base. Et oui, 50K d'Enderpearl, motherfucker. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Ouais, il va certainement s'arranger de lui-même. Hop, je me fais pas de soucis. Voilà. Bon, petit tour de la base. Résultat, qu'est-ce qui a changé? Donc ici, je vous avais dit le portail. Ici, j'ai mis mes énergétiques infuseurs pour ma power suite. Enfin, ma power armor. Donc voilà, donc j'ai les ordinateurs. Voilà, qui sont cool. Ici j'ai mon système appuyé d'énergistique avec mon pattern encodeur. Voilà, donc pareil, il est configuré pour que à chaque fois que je crafte des patterns, il les mette dedans. D'ailleurs, en soi, ce que je devrais faire, c'est plutôt parce que j'ai vu que je pouvais faire ceci. Donc avec ceci, au moins j'aurai toujours des patterns de craie, même si j'ai l'impression que ça merde un petit peu. D'ailleurs, on devrait le voir. Voilà, il y a des scrapbox qui sont en attente, alors que le scrap, ben, j'ai largement de quoi les créer, les trois scrapbox. Donc ça pose problème parfois.
J'essaye l'autocrafting de d'appliquer d'énergie stick, mais j'ai l'impression qu'elle bug. Pour le moment, je n'ai que deux crafts hein, de fait. Donc j'ai les scrapbox ici, donc avec mon système, voilà, avec ma cloque, qui fait que ben je s'envoie de temps en temps une scrapbox, mais voilà, ça, là ça merde, donc ça en envoie plus. Et ici, je crée automatiquement mon Underium Blend. Et pour le moment, les autres sont vides, hein, y a rien dedans, ça viendra au fur et à mesure. Ici, j'ai mis mes recycleurs. J'en ai même fait. Donc là, il y en a une dizaine, si j'ai pas de bêtises. Tout se configurait de façon un peu différente. Finalement, mon endstone, je l'ai mis au recycleur. J'en garderai que 10K sur moi. Enfin, 10K dans mon système appelé énergétique. Donc ça voilà. Donc ici, au niveau des ressources, donc ici je stocke de la mob essence. Pour le moment, je n'en envoie pas dans le système, ça s'auto-alimente là-bas. Et je récupère, voilà, je récupère de la mob essence ici. Quand tout ça sera rempli, j'activerai le levier pour remettre en mode échange. Tout ça, mais je produis de toute façon plus que je ne consomme pour le moment. La lave, alors la lave, je suis en train de vider celui-là, c'est pour ça qu'il n'est pas alimenté. Je suis en train de vider celui-ci, donc je consomme 100% de ce qui, enfin, je consomme ce qu'il y a là-dedans. Voilà, ça descend assez vite. Ce stockage-là, je ne sais pas encore à quoi il va servir. On va le laisser tel quel, mais ça sera autre chose dedans. On gardera que ce cluster-là de lave, donc qui alimente simplement les géothermal générateurs. D'ailleurs, je devrais en faire deux de plus. Mais ça produit. Je produis suffisamment en fait. En soi même, je devrais au contraire réduire la consommation. Je dirais que allez, 3, ça devrait être suffisant. Donc. Hop. Je pense que 3 générateurs sera suffisant pour tout cela. On verra bien, sinon je réglerai au fur et à mesure. C'est juste histoire d'éviter de consommer de la lave à rien. Alors, ici, bon bah, alors ici pendant un temps j'ai mis des Undermen, mais je les ai virés pour faire des économies de mob essence parce que mon objectif c'est de remplir la mob essence. Donc, mais par contre au niveau des ressources de comment? Au niveau des ressources de Witch, je suis. Je sais plus quoi en foutre. Hein. D'ailleurs, le sucre, je l'envoie au recycleur aussi. Tiens, c'est vrai qu'elle génère de la gunpowder. J'y ai pas pensé, mais ouais. Bon, ça peut toujours me servir. Donc voilà. Donc en soi même, je pense que ce que je vais faire, c'est. Je vais garder 10K. Hop. Deux bouteilles vides. C'est ça la configure. C'est ça. Donc 10-4 et puis hop, les balancer. Tac. Et puis ça aussi, on va le recycler parce que voilà la quantité qu'on en a. Voilà, puis il me reste un recycleur qui n'est pas alloué. Chacun gère une ressource. Donc ici, c'est toutes les ressources voilà, qui sont. Qui viennent du scrap, c'est que je garde pas, c'est re-recyclé pour être réenvoyé quand ça aura fini de merder. Mais j'ai l'impression qu'en fait mon système à pile énergétique il sait plus trop quoi, plus trop où donner de la tête en fait. Je crois que c'est ça en fait parce qu'il y a beaucoup de fuzzy export bus. Alors oui, je vous ai dit, j'ai fini ma transition énergétique, ça veut dire que j'ai 100% de under générateur, mais ceux dont, alors ceux qui sont raccordés, ce sont évidemment les 256 qu'il y a ici. C'est ça, 256. Il y a également les 64 ici, les 64 ici du dessus, donc 128 là. Mais ceux d'en dessous, donc les 128 d'en dessous, là, les ne sont pas raccordés. Voilà, vous voyez ici, le câble n'est pas raccordé. Et ici, il me manque même des fuzzy export bus. J'étais tombé à court pendant un temps. Mais pour le moment, tout ce que je produis ici est largement suffisant.
Je n'ai pas besoin de plus d'énergie, donc les under générateurs du bas attendront que je consomme davantage d'énergie. Voilà. Vous savez à peu près tout pour le moment. Il me reste juste le thermal expansion ici. Donc les machines de thermal expansion. Ici on a la redstone furnace qui transforme en rotten flesh, mais ça sert à rien parce que en fait le cuir, bah, je le recycle ici. Pas là. Là. Je le recycle ici. J'en garde que 10K. Et voilà, en ayant 49K, c'est un peu inutile. Donc bon, bah, je consomme un peu d'énergie ici, mais c'est pas ce qui manque, l'énergie. Pour transformer la Rotten Fletch en cuir. Et ensuite, le cuir, si je suis au-dessus des 10K de cuir, je les recycle. Donc bon, bah, j'ai une surconsommation d'énergie ici, mais ce n'est pas trop grave. Ici, le pulvériseur qui est configuré pour gérer le ferrous or. D'ailleurs, je devrais mettre un autre pulvériseur pour l'obsidienne et mettre un émetteur. Pareil, un plus émetteur. Enfin, les level émetteurs, je veux dire. Ici, on a les induction smelters. On a 4 induction smelters qui gèrent diverses ressources. Ici, ça gère... Hop, que je dise pas de bêtises. Ici, ça gère l'électrum ingot. Donc ici, c'est du silver et ici, de l'or. Donc... À chaque fois, il y a un côté vert, un côté violet et un côté qu'on voit pas mais qui est orange. Simplement, le vert vient ici, le violet ici et le orange, c'est ce qui repart dans le système. Donc en gros, j'ai le dans ce cas-là, donc j'ai le gold qui arrive ici, le silver ici et ça repart en électroingot. Ici, la même chose Qu'est-ce que je produis ici? C'est de l'arsenate glace. J'en ai besoin pour mes Reston Energy Conduct. Voilà, donc et à chaque fois, donc vous voyez ici, je garde 1000 électrums. D'ailleurs, je devrais augmenter la limite. Ça poserait pas de problème. Parce que de l'électrum, enfin je veux dire, est-ce que du gold? Ouais, quoique du gold, j'en ai. C'est 8000? Ouais, c'est 8000. Wow. Ah, j'aurais bien envie de monter jusqu'à 5000 quand même. Bon, enfin bref, on verra plus tard. Ici, ce sont les Ardennes glaces. Comme je l'ai dit, ça sert au Reston Energy Conduct, ainsi que l'électrum, hein, d'ailleurs. Les deux servent à faire des Reston Energy Conduct, entre autres. Ici, c'est l'Enderium. Voilà, l'Enderium ingot. Donc, quand l'Enderium blend est créé là-bas, ça... Ben, voilà, l'Enderium blend arrive ici, dans le vert, et avec le Pyrotheum Dust que je crafte à la main... Enfin à la main, on craft auto aussi, mais à la main quand même. Je me crée mes Zendarium ingots qui me servent notamment à faire des Tesseract ainsi que des voilà, des Resonant Energy Cell. J'en ai 43 dans le circuit, donc j'ai ce qu'il faut pour le moment, hein. Ça vient de ma base. Donc ça c'est bon, donc ça c'était l'un des emblèmes. Et le dernier, c'est le style. Voilà, j'avais besoin de style, je ne sais plus pourquoi déjà. J'avais besoin de style et je sais plus pourquoi. C'était pas pour me refaire des drums, c'était pour me refaire autre chose. Mais là, j'ai un trou de mémoire et je sais que bon bah j'ai 5000 de style. Voilà. Et si je consomme du style, eh ben ça va se relancer automatiquement pour que j'ai un niveau constant de 5000 styles dans mon circuit et enfin dans mon système applié d'énergistique. Ici on a tout ce qui est vis-à-vis des liquides, donc la redstone là, par exemple ici c'est pratiquement plein, c'est plein d'ailleurs, et quand c'est plein bah ça ouais. Donc ici par exemple voilà, j'ai une actuellement en production, c'est de la Blaze Powder, j'en ai besoin. Et j'en ai besoin jusqu'à 5000. Donc quand j'aurai atteint les 5000 Blaze Powder, eh ben j'aurai fini de consommer de la redstone inutilement. Enfin inutilement, pas inutilement parce que j'en ai besoin. Comment ça marche ici? Ça marche la même chose avec le Resonant Thunder. Simplement ici, donc j'ai le Magma Crucible qui reçoit de la redstone et
donc la transforme en déstabilisé redstone, qui est stockée dans un drum, histoire d'avoir beaucoup de stockage, et donc les fluides ducts qui alimentent les fluides transposeurs, et dans les fluides transposeurs, je vais pouvoir gérer les ressources. Ici, il n'y a rien de géré pour le moment, ce sera, ben j'y enverrai mes énergies cell avant qu'elles soient transformées en résonante énergie cell. Et puis ben voilà, donc ici je gère la gunpowder. Enfin la blaze powder, pardon. Ici, donc là ici j'ai deux sauts parce que celui-là je le vide en priorité, mais je. Voilà, pour le moment celui-là je gère uniquement des sauts d'Underium pour me créer de l'Underium Blend. Donc c'est toujours dans cette dans l'idée de créer de l'Underium Blend. Voilà, l'Underium Blend, je dirais que je suis peinard pour un bout de temps, à vrai dire. J'en ai 136. C'est largement suffisant, en plus j'en ai pas réellement l'utilité. Et je viens de voir que je viens de passer à 50k de d'under de. Ok, salut mec. Donc voilà, donc ici je gère des sauts, j'essaye d'en avoir constamment 16, même si j'en ai 32 dans le système. Parce que le temps que ben il y en a toujours 16 là-dedans, donc j'en ai 32. Et ici, rien n'est géré. Mais quand j'aurai besoin de gérer ben, les Tesseract, par exemple le remplissage des Tesseract. Mais voilà, les Tesseract, j'en ai aussi en abondance. Donc pour le moment, ça ne sert pas à grand chose, mais ça peut servir. Enfin, en gros, là, ces deux machines-là ne servent à rien. Ici, ça me garde mon niveau constant de saut de Resonant Ender. 1, 2, 3. De Resonant Ender. Donc, histoire de toujours me créer de l'Underium. Donc, tu vois, à chaque fois que j'ai du Ferrous, hein, simplement. Salut, mec. À chaque fois que j'ai du Ferrous, eh ben, on peut se lancer. Enfin, comment dire. À chaque fois que j'ai du Ferrous, j'ai 10% de chance d'avoir du Shiny Metal Ingot. Le Shiny Metal Ingot me sert à faire de l'Underium Blend, entre autres. Ça et de la Gunpowder. Enfin, j'ai besoin de Gunpowder pour me faire de l'Underium Blend. Une fois que l'Underium Blend est créé, c'est envoyé ici dans mon Industrial Smelter avec du Pyrotium Dust, qui est créé également avec de la Blaze Powder. Et c'est envoyé... ouais, c'est créé en Ingot, donc... Et... Ouais, et donc, évidemment, ça aussi me sert à créer mon Underium Blend. Donc, en gros, j'ai trois machines. 1, 2... Et 3 qui me crée de l'Underium Blend, et celle-là gère l'Underium Blend pour me le transformer en Underium Ingot. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Mais bon, donc ça c'est une des ressources, l'Underium c'est une des ressources les plus chiantes à automatiser. Je bois un coup. C'est de l'eau, je vous rassure. Comment le... Donc voilà. Ici donc je me sers des ressources créées par les sorcières, hein, donc pas grand chose de spécial mis à part que pour récupérer les items j'ai mis des golden transport pipes, c'est beaucoup plus pratique et puis ça évite à mon aimant de récupérer les ressources dès que je passe à côté, quoi, parce que ça c'était vraiment chiant dans l'autre base. Donc j'ai décidé de repousser le mur pour pouvoir mettre ça, et puis voilà. Voilà. Ça produit pas mal. Puis, ben, je peux...